Alors, bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi aussi, ça va. Aujourd'hui, je vous propose une sauce africaine, une recette africaine de la pâte d'oignon. Donc, je vous propose ma recette. Pâte d'oignon, confit d'oignon ou sauce oignon. Donc, pour accompagner les poissons, la tchéké, yam bouilli, même avec du riz bouilli. Donc, vous voyez les ingrédients. J'ai de l'oignon, un peu de mayonnaise, la concentrée de tomates, des olives pour garnir à la fin. Et j'ai aussi de la courgette que j'ai découpée, du poivron vert que j'ai découpé, les épices, il y a du sel, de la noix de muscade qui est très bon quand vous faites la sauce avec l'oignon. Donc, de la noix de muscade, de la paprika, un peu du poivre blanc, du poivre noir. Et là, j'étais en train de piler du gingembre et un peu d'ail. Donc, j'ai aussi de l'huile. Donc, je crois que c'est tout. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et si ça vous a plu, laissez un like, un commentaire ou partagez la vidéo pour ajouter... Je parle italien maintenant. Pour aider la chaîne à grandir un peu. Merci bien. Donc, j'ai l'huile dans la marmite. Je vais allumer le feu. Je vais laisser chauffer un peu. Après, je viens ajouter les oignons. J'ai mis les oignons. Donc, j'ai 4 oignons blancs. Un petit oignon rouge. Après quelques minutes, je viens ajouter les épices. De la paprika, du sel, du poivre blanc, du poivre noir et un peu de noix de muscade. Après, encore, je viens ajouter un peu d'ail et gingembre que j'ai pilé. Et maintenant, j'ai ajouté les autres légumes, dont du poivron et de la courgette que j'ai découpée. Et j'ai ajouté une demi-cuillerée de concentré de tomates et une cuillerée de mayonnaise. La tomate, vous pouvez remplacer la concentrée de tomate avec des tomates fraîches. J'avais oublié feuilles de laurier dans la liste des ingrédients. J'aime de laurier. La pâte d'oignon est presque prête. Vous voyez? Donc vous pouvez servir ça avec attiéké, du riz. Le riz, c'est même un peu passé à produire. C'est plus bon avec yam bouilli, attiéké, pas encore, aloko bouilli. Donc ma sauce est prête et je vais ajouter seulement des olives. Ceux qui n'aiment pas, vous pouvez laisser. Une astuce pour ceux qui n'aiment pas le goût fort des oignons, vous pouvez les découper en deux. Vous mettez dans l'eau avec un peu de vinaigre. Vous laissez quelques minutes. Après, vous découpez. Donc, pour la salade aussi, des fois, je fais comme ça. Donc, vous découpez en deux. Vous mettez dans l'eau avec un peu de vinaigre. Vous laissez au moins 30 minutes. 15 minutes après vous découpez. Donc ma sauce est prête, je vais servir. Donc je vais servir dans une petite assiette. Donc les oignons que vous voyez un peu colorés, ce sont les oignons rouges qui se sont caramélisés. Donc vous voyez la sauce, je n'ai pas mis d'eau. Vous voyez la texture. Mes chéris, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et vous laisserez un commentaire, un petit like et vous partagerez la vidéo. Donc c'est tout. Bisous à tous. On se dit bye bye et à bientôt. Ciao à toutes.